You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Welcome to WESG 2016 Grand Final. I'm standing near Changzhou Olympic Sports Center, and all the action will take place here in this huge stadium. 336 players from 37 countries will fight for champion's title. Let's go inside. So this is the place where CSGO and Dota 2 teams spend their time, play official matches. They got everything they need, their own space and best computers and even very comfortable chairs. So now we're in StarCraft II in Hearthstone competition area. Every player has his own space with his name on it, so nothing will disturb them. Behold the stage! You can see a huge screen in the middle where all the action is broadcasted. From both sides there are cabins for Dota 2 and CSGO teams, and cabins for Hearthstone and StarCraft 2 players. There is a lot of space in each of them. Every day of the event you can not only see very exciting games, but also a dancing and singing shows in the breaks, so you won't be bored. So this is how everything looks like here on WESG 2016 Grand Final. Stay tuned and don't miss anything. Bonsoir. On s'est fait prêt de vitesse. Bonsoir à tous. Bonsoir, nous. Voilà. Nous, on parlait ladder et tout. Ah, c'est 3, 2, 1. Donc, bien sûr, on risque d'être surpris deux ou trois fois. C'est ça. Voilà, ce soir, on va être avec The Rock, voilà, nouveau réalisateur des Enfers, qui débarque. C'est ça. Voilà. Bienvenue à lui déjà. Voilà, donc il est en test. Voilà. Oui. Et au bout donc, de... c'est fait de la merde. Au bout, faut qu'on lui trouve un gage. Au bout de 3 fails, on lui fait un truc. Des coups de bâton. Coup de bâton. Tu sais, comme à la fondue savoyarde où si tu perdais ton morceau de pain, boum, coup de bâton. Ah bah c'est basique. Même principe. Ça passe. Et nous, on aime bien la fondue savoyarde ici, voilà, gaming. Tu sais ce qui t'attend, hein. C'est le ça. Coup de bâton s'il y a trop de raté. En tout cas, aujourd'hui, on va avancer dans ce tournoi. On arrive à la journée numéro 3. C'était donc le round of 12, qui normalement n'est pas un round legit dans les tournois normaux. Mais en fait, il y avait 3 joueurs qui sortaient de chaque groupe et non 4. Donc tu es arrivé sur un round of 12 et non round of 16. C'est ça. Vas-y. J'aimerais qu'on remarque que c'est un truc qu'ils font de plus en plus. Ça avait commencé avec la Copa Intercontinentale, puis maintenant il y a les WESG, et là les UM Katowice qui ont annoncé leur tournoi à 250 000 dollars sur StarCraft 2, ils font aussi un Round of 12. Je sais pas quel est le concept, mais. En fait, ils ressortent ça même de la MLG si tu te souviens. En fait, tous les joueurs des groupes qui, suivant leur seed, tombaient tous quand même dans le bracket, mais à différentes étapes. Et donc, du coup, là, tu terminais avec un Round of 12. C'est exact. Enfin, eux, c'était encore pire en fait. Mais tu vois, c'était en mode les joueurs arrivaient à des endroits décalés dans un bracket. All right. Voilà, ça permet d'avoir un entre-deux. Donc les joueurs qui finissaient premiers étaient décidés. Mm-hmm. Donc à savoir, et c'est là où c'était un petit peu dur. Maru qui a fait 10-0. On a eu TY. On a eu XiuYi, le joueur chinois. Ouais, et le dernier, c'était dans le groupe.
Attends, mais je suis complètement nul. C'est pas Showtime. Non, mais non, non, Showtime jouait Laser. Nib. Ah, c'est Nib. Très bien, Nib. Non, Nib qui, voilà, qui a fini premier de son groupe. C'est ça. Il n'y a pas de Coréen dans le sien, comme celui de Stéphano, qui lui a fini deuxième de groupe. Marine Lord a fini troisième. Et il se trouve que les deux se sont rencontrés. Donc hier, on vous a dit, ah ouais, ils se rencontrent, mais on ne pourra pas les suivre. Parce que, voilà, il n'a pas été prévu sur le planning. Exactement. Mais. En fait, si. Et oui. En fait, si, voilà. Ils ont réajusté. On a eu un petit peu en mode, oh là 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 là, on est triste. Sans trop taper non plus, parce que c'est leur tournoi, ils font ce qu'ils veulent quand même. C'est ça. Mais voilà, on a laissé la entendre que. Des gens qui t'accueillent, tout c'est simplement. On a laissé quand même entendre, on a laissé juste un petit ça ne se fait pas. Tu vois. juste un petit voilà. dans l'entrée. Un petit peu délicat, ça arrive. Histoire de notifier quand même notre mécontentement. Mm-hmm. Et voilà, il a été entendu. Donc finalement, on a le match. Et voilà. C'est ça. Ouais, et puis après, voilà, il y a aussi. Bon, il faut aussi remercier, je pense, les équipes de CSGO hein, qui ont mis. Très peu de temps en fait à massacrer leurs adversaires, d'où le libérage de temps pour ce match Marine Lord Stéphano, ce qui fait donc extrêmement plaisir. Big up du coup aux gens de CSGO et par extension voilà à nos amis de CSGO qu'on risque d'entendre ce soir, puisque il y a LDLC contre Team Fnatic qui joue, hein, c'est streamé bien sûr sur O Gaming CSGO. Je connais pas du tout voilà le lien, mais vous allez sur ogaming.tv, vous le trouverez si vous regardez du CSGO. En gros, si vous voulez voir avec qui moment voilà, vous faites des infidélités quoi. Bah ouais, il y a moment qui est là-bas sur place en train de coacher. Je me pose des questions, mais qu'est-ce qu'il fait au moment? Il avait des équipes à la victoire, voilà. Et toi, voilà. Tu fais quoi? Repense à ta vie. Non, mais je sais pas si au moment en fait il emmène des équipes à la victoire ou ce soit l'objectif dans la vie, c'est ouvrir la bouteille de champagne à la fin. Parce que c'est pas le truc qui compte seulement pour lui. Je pense que l'un entraîne l'autre, donc il amène les gens à la victoire, mais c'est sa motivation, c'est clairement la bouteille de champagne. Et ruiner un maximum d'équipements à la DreamHack à chaque fois, bien sûr, le champagne dans la caméra à 6000 boules, c'est toujours agréable. Du coup, on va pouvoir entamer voilà cette série Maru contre Scarlett, un TVZ de haute volée s'il en est. C'est exactement ça. Donc, on est sur Lula Fate. On a Maru contre Scarlett aujourd'hui, ici, à droite, pour la TNR Melu. Alors, oui. Et en haut à gauche pour la Team Expert et le Canada, c'est Scarlett qui part sur une pull first gaz directement. L'image a l'air un petit peu le... The Shatter, un petit peu. Voilà, si on peut checker ça. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, on aura donc Maru contre Scarlett. On enchaînera avec un Nib contre Nercio. Ensuite... Bien sûr, le match tant attendu. Marine Lord contre Stefano. Bien sûr. Et le gagnant sera donc contre TY. Voilà. Ouais. Et là, ça va être rude. Quel que soit le mec qui passe, ça va être sacrément chaud. Effectivement. Et là, j'ai l'impression que Scarlett a fait le build qu'on a vu, Laser faire contre Major. La voleuse. Sur une espèce de push de l'infini à base de Ravageur qui peut faire extrêmement mal. Hein. On l'a remarqué avec Laser, c'est un all-in sur une base. Vous faites beaucoup de Ravageur et si vous arrivez à snowball un petit peu, ça part très très vite en sucette pour le joueur Taran qui clairement n'est pas prêt. C'est exactement ça. Hein. Il va falloir faire très 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 attention ce build order hier qui était passé vraiment sur le fil. Hein. C'était pas le truc complètement game breaker, mais on a vu que l'intérêt en fait était assez bizarre. C'était en fait tu tues les bâtiments de production du joueur Taran et il ne peut plus produire. C'était un peu ridicule, mais en fait ça a fonctionné très très bien. Et c'est une première en fait, ce power build où à la fin il n'y a même plus que genre 6 drones au minerai, ça ne ressemble à rien, on ne récolte que du gaz pour faire des Ravagers. En tout cas voilà, c'est la prestation que Scarlett a envie de faire, avec les deux Erglings pour run-by et déjà entamer la nuisance. Ici l'Overlord qui voit le Reaper partir, du coup il va falloir l'intercepter vite ce Reaper, et c'est toujours mieux d'éviter de se faire scouter. Et du coup, si tu arrives à le choper éventuellement, voilà, sur la sortie des trois roaches, boum. Alors oui, tu te rends compte qu'il y a des roaches, mais tu sais pas forcément que c'est des ravageurs. Tu sais pas forcément qu'il n'y a pas la deuxième couveuse si tu le chopes. Eh bien, à la montée de la rampe. Ouais, c'est ça. C'est toujours un petit peu délicat. Et voilà, les ravageurs qui sont déjà deux sorties, ça va très très vite. Non mais, en fait, il faut se rendre compte que là, Maru, il a un Reaper. Et en face, il y a trois ravageurs. Au moment où il y a Reaper, trois ravageurs, un Reaper. C'est genre, enfin, c'est inconcevable en fait quand tu regardes la méta à l'heure actuelle. Là les Erglings qui sont en train de gratter sur le réacteur pour peut-être commencer à ouvrir le chemin. On a déjà été forcé de pull des VCS qui du coup ne sont pas en train de miner, ne sont pas en train de travailler, et les ravageurs vont pouvoir les pick up avec les builds corrosives. Ici on chope le Reaper, ok, non c'était pas...
Qu'est-ce qui a pété? Ça ne bouge pas. Et les micro-ondes qui sont envoyés ici directement sur le vaisseau qui construisait le bunker, c'est bien fait, mais on se fait gratter de la vie sur les ravageurs, chose qu'on veut absolument éviter. Il faut réussir à snowball sur le compte de ravageurs, balancer les bonnes micro-ondes ici peut-être pour choper les ouvriers. Non, on va choper le bunker et on se fait surrendre. Quelques ravageurs sur le high ground, bon kiting néanmoins de la part de Scarlett qui arrive à pour l'instant gagner pas mal de temps, même si elle doit suicider son ravageur apparemment. Et le deuxième sur le low ground qui meurt, le troisième qui va à terme mourir aussi. Ah, le fail! Ah mon dieu, à l'horreur, à l'horreur! C'est la catastrophe! Bon, en tout cas, voilà, on est en train de régler la petite saccagence de l'image, vous inquiétez pas. En tout cas, là, Scarlett qui s'est un peu auto-démonté la face. Et ça se passe pas très bien. Au moins, la deuxième base n'est pas terminée. Donc, il n'y a pas de double bulle en vue. Double production de SCV, mais c'est rude. Mais d'ailleurs, il faudrait penser à choper ce VCS avant qu'on ait effectivement le deuxième CC qui se termine. Sinon, ça pourrait vite devenir dramatique. Et j'ai l'impression que ce CC va se terminer. Donc, en fait, Serena va se trouver dans un scénario similaire à celui de Elazer contre Major. Mais bien pire en fait, parce qu'elle n'a pas pris 9 VCS en ayant monté la pente. Elle en a pris une poignée à peine et elle n'arrive pas à accumuler un nombre de ravageurs. Donc là, elle en produit 2 de plus. Memaru a sécurisé la position sur le high ground. Il va chasser l'Overlord pour faire perdre la vision à Scarlett. Et pour ne pas se mentir, j'ai l'impression que ça sent le moisi hein, pour Scarlett là. Ah bah ouais, c'est méga chaud. Et il n'y a même pas eu le kill sur le cyclone qui aurait été un moindre mal en fait pour Scarlett car. Mais comme je parlais, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a 6 drones au minerai quoi. Enfin, tu poses même pas à produire une B2 en fait avec 6 drones au minerai. Ça n'a aucun sens. Clairement. C'est comme si tu, c'est comme si sur HOTS ou Wings of Liberty, tu faisais un hatch first à 6 de pop. Tu vois, genre, tu faisais, c'est tout. Non, en fait, non. Juste, tu peux pas avoir 300 de minerai. C'est ça. Ça ne se produit pas. Ou alors, tu cut tout et en fait, t'es quand même, t'es encore plus derrière que si tu avais pas fait de couveuse. Donc voilà, c'est la merde, mais là je vois pas comment Scarlett se sort de cette mélasse, hein, tout simplement. Sauf erreur dramatique de Maru, lui il va continuer à accumuler des marines, les ravageurs sont déjà tous en rouge ou l'orange. Ouais. Et la petite cloquette qui a été effectuée, elle est massive. Et de toute façon, Scarlett n'a absolument aucune. Enfin, elle ne peut pas transitionner, c'est genre mort. Elle est obligée d'insister, elle est obligée d'attendre un accident. Incident qui a eu lieu hier. Donc pourquoi pas aujourd'hui. Micro-ondes qui tombe, mais Maru qui gère parfaitement le truc. GG. Ok. Scarlett qui s'impose ici, qui s'impose ici contre Scarlett dans cette game numéro 1. C'est ça. Alors on va faire un petit break. Oui. Une petite minute, juste le temps de régler la qualité du stream et on se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. De retour sur Gaming TV, et bien sûr. J'ai raté pour que j'ai pas réussi à mettre le message, je vais devoir attendre un mois supplémentaire. C'est surtout que c'était un message à haute portée philosophique. Voilà, Yogo allait tout simplement vous révéler le sens de la vie, mais il ne pouvait le faire que via ce sub. C'était la condition pour avoir le secret. Et maintenant, vous allez devoir attendre un mois supplémentaire, et bien sûr être sub aussi pendant ce mois-là. J'allais mettre 42 quoi. Voilà. Ah non mais à chaque fois. D'habitude. Si tu spoil aussi. Imagine, ils ont pas vu le guide du voyageur intergalactique. Voilà. Comment on fait maintenant? On peut pas. Mais toujours est-il que, on le souhaite à ces joueurs Scarlett et Maru d'avoir vu le guide du voyageur intergalactique. Surtout à Scarlett, car manifestement, elle n'a pas de serviette et on a toujours besoin d'une serviette, notamment contre Maru. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est que. Voilà. Merci grand FLS. Les mecs. Voilà. Alors, il y a du répondre, évidemment. Scarlett contre Maru, ça enchaîne. Et là où il y avait, hier, les joueurs qui étaient quasiment tous avec leur maillot, à l'exception de. Leur maillot de pays à l'exception de Stefano, la Scarlett, allez hop, on est team experte. Parce qu'ils ont vu quand même ceux de Counter-Strike. Il y a un moment où c'est mignon. Là où les ESWC et WCG, c'était niette. Hein. Tu pouvais toujours ramener ton maillot de team, tu te faisais dégager. Après, je pense que l'impact des compétitions était plus. Des teams plutôt étaient moins importants qu'à l'époque. Maintenant, ta team peut réellement payer ton salaire, alors qu'à l'époque des ES de WC, c'était moins courant. C'est ça. Voilà. Maintenant, ils font. C'est nos joueurs que vous utilisez, qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Et du coup, là, c'est Scarlett qui joue pour la team expert. Et alors, ici, Manu! Pour Gina Greenwings. C'est ça. Un des rares à encore avoir une équipe. Une équipe coréenne. Parce que il y a de plus en plus de joueurs, hein, bien sûr, qui retrouvent des équipes. Hein, on pense. À Forte et Armani qui sont chez Izimba, une équipe de qualité, mais aussi bien d'autres, bien sûr, Patience chez Netpixel et autres.
Du coup, cette fois-ci, Scarlett, voilà. Qui va pas retenter le diable. Alors déjà, bon, je pense que le all-in qu'ils font, ça passe vraiment que sur Habitation Station, parce que la rush distance ouais, est courte. Ouais, mais ouais, de manière générale, je pense qu'elle se prévient un petit peu là de la tentative d'agression qui risque de ne pas payer contre un joueur du calibre de Maru. Hein. C'est exactement ça, et ça va être chaud. Et à l'heure actuelle, dans le match-up, il n'y a vraiment plus d'entourloupe. Le meilleur joueur gagne quasiment tout le temps. Bien qu'une énorme diversité stratégique, un mec qui est meilleur, il te le fait sentir tout de suite. Et puis on l'a vu avec le Maru, le Maru Elator, hein. C'était un fail. Il s'est fait tellement défoncer le pauvre Elator. C'était assez incroyable. Mais voilà, les terrains peuvent enfin s'exprimer avec du beau play et plus simplement du temps qui va, quoi, le mec qui clique ses tanks le plus vite s'impose. Mmh. On est dans des choses beaucoup plus réfléchies. C'est ça. Voilà. Et puis une beaucoup plus grande variété de builds, hein, depuis le 3.8 avec des builds de plus en plus gaz heavy, hein, de manière générale, ouais. Vraiment exit les Reaper Expand et les opening double racks. Enfin, on a encore des coca builds, mais c'est vraiment beaucoup moins courant. Donc très très plaisant, hein, de voir cette variété dans le jeu Terran qui existe maintenant. Et du coup, on va voir ce que va faire Maru de son deuxième gaz, qu'il a pris relativement tôt. Donc c'est une factory qui est rajoutée. Ok, très bien. Un marine qui est créé en premier, vraisemblablement pour aller chercher l'Overlord. Maintenant, qu'est-ce que tu fais sur ta rax? Quel add-on? Tu pourrais faire un réacteur et partir sur le build un peu d'innovation Ngumio, faire de l'Hélion Cyclone. C'est ça, où tu pourrais complètement abuser en allant grider la B3. C'est ce que Marilord avait fait face à la main quand il s'était fait défoncer. Oui. Mais sur cette carte là tu peux le tenir de manière assez tranquille. Le Marine Kela qui arrive donc à défoncer le dominant qui devrait se planter. Ah ouais, ok, bah tu l'avais call. On est sur le build d'Inno. Bah ok, du Maru qui fait du mecha, ça c'est comment. Et ce qui est marrant, ouais, c'est que Inno, il le fait que en ladder, mais en compétition il joue full bio. Ouais. Gumiu, il le fait tout le temps, mais parce que Gumiu, il est pété du brain, tu vois, donc ils sont bas les couilles. Et du coup, je suis curieux de voir pourquoi Maru fait ça, parce que je pense que Maru n'est pas un mec particulièrement pété du brain, et je pense qu'il a juste. C'est un mec qui aime bien micro, donc il doit se dire qu'il y a de la micro à faire. Mm-hmm. Maintenant, Cyclone et Lion, c'est pas le truc que je trouve le plus micro intensif, donc à voir comment lui il va gérer ça pour justement rentrer un petit peu dans sa zone de confort. Ouais, je suis d'accord, le cyclone et Lion, j'ai toujours pas compris en fait comment t'es censé micro le truc. Comment t'es censé micro-compte, c'est facile, hein. T'encercles le bordel avec beaucoup trop d'unités et tu te débrouilles. Mais c'est vrai que le cyclone est assez délicat à voir maintenant, la semaine prochaine, peut-être qu'on pourra voir In-Ice comment est-ce qu'on fait, puisque Innovation sera dans les locaux. On pourra l'observer, voir où est-ce qu'il fait ses clics avec ses cyclones. En tout cas, c'est ultra bourrin ce qui est en train de préparer Maru. Il n'y a aucune finesse dans cet opening. Non. Si ce n'est la transition qui est toujours très très délicate. Ou la finesse de la poudre, Yogo, tout simplement. L'art de la guerre par Maru ici qui va être envoyé. Donc le double cyclone, double lion qui sont produits et qui vont pouvoir commencer à gentiment traverser la map. Petite rack qui est mise là, voilà. Eh, mais il est où ton Overlord de tout à l'heure? Wait, what? N'est pas là? Ouais. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois pas qu'elle ait recherché le speedover en plus. Non, on a grid. Hein. Maintenant, le speedover ne sont que pour les vieux frileux, bien sûr. On ne fait plus cette amélioration. On joue la gourmandise au maximum. On pose des drones, on est en train de faire double upgrade. Est-ce qu'elle a bien saisi que c'était du full cyclone? On t'envoie deux par défaut à l'heure actuelle. Tu te dis qu'on en fait double. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on n'a pas d'alinest encore. Alors qu'en général, c'est cyclone. Elle bat. Et quand t'as pas de peine, tu gagnes là. Ok, on est plutôt sur le terrain des cafards, très bien. C'est un style. Bah ouais, en soi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Roach Ravageur, je pense que ça a peut-être autant de validité que Zergling Bending pour gérer ça. Maintenant, c'est un truc où clairement t'as pas le droit de te rater au niveau des builds corrosifs, comme tu n'aurais pas le droit de te rater au niveau du surround sur un Zergling Bending. Attention, ici les premiers élions qui sont là, l'armurerie qui n'est pas encore tout à fait terminée. Ouais. On va commencer par chasser l'Overlord. Et mine de rien, bah voilà, on le voit, hein, c'est un DPS asthmatique les cyclones, mais une fois qu'ils sont 3 ou 4, ça va quand même relativement vite. Non, mais on l'a complètement vu hier avec le build complètement pété de TY contre. Contre Showtime, qu'on reverra tout à l'heure, où il y a un aura qui arrive, il y avait 3 cyclones pour le récupérer. C'était assez horrible pour le pauvre. Et voilà, il y a les bêtes qui sont là, mais les cafards sont pas là, ils sont pas sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Allô, Scarlett? Ouais. Ça attaquait trop vite, visiblement. Ouais, ça attaquait beaucoup trop vite pour la char Scarlett ici, qui se fait surprendre par le timing de Maru et qui se fait massacrer ses glings. La spine qui se terminera jamais. Et les queens qui n'ont plus d'énergie, ou presque, qui vont également prendre la foudre. Alors, ouais, t'as nettoyé les bêtes. Maintenant, c'est les unités qui font le plus de dégâts, qui sont encore vie. Et du coup, tu es forcément dans un état de panique avancée. Les drones qui vont participer à la fight, mais on le voit, ça se fait aussi massacrer par les cyclones de Roche. C'est insuffisant.
et les rouges c'est blindé, donc ça se fait massacrer par les cyclones. C'est des ravageurs dont t'as besoin pour complémenter ton truc, et bah elle a juste pas eu le temps de les obtenir. Elle se fait défoncer ici. C'est quoi ce match quoi? Maru a l'air d'être juste au-dessus et les drones qui viennent d'être poules en mode détresse, mais les dommages sont déjà faits et ça continue, ça continue, ça continue. Regardez bas ce split de cyclone. Ah, elle chope deux cyclones de plus, non, mais on voit les renforts qui arrivaient au fur et à mesure. Et même s'il n'y avait pas ces renforts qui arrivaient au fur et à mesure, même si c'était juste une petite incursion, bah derrière, Maru il a fini son troisième CC. Il va chercher son plus en attaque mécanique. Il a une troisième factory qui est en train de se terminer. Il en lance une quatrième. Enfin, il y a aucune. Il est en mode full Palpatine, aucune limite à sa puissance. Et du coup, forcément, eh bien, quand tu es une simple Jedi, une simple Padawan telle que Scarlett, eh bien, tu te fais massacrer. C'est ça. Je pense pas que ça soit une. Enfin. En gros, tu vois, le Koke Build, il arrive toujours à la seconde près. Enfin, tu sais exactement à quelle seconde ça arrive parce que c'est le timing des deux premiers debacs et donc tu peux pas gratter. Ouais. Là, en fait, ce qui s'est passé, pour être très très précis, voilà, GG, c'est que ce push cyclone, alors là, il est fait sur le timing Elbat, mais en fait, l'armurerie, tu la poses un peu quand tu veux. Ouais. Et tu peux attendre plus ou moins deux cyclones, plus ou moins un cycle de cyclone. Et en fait, c'est là où ça fait arnaquer. Là, il y a Maru qui a fait un push, on va dire, deux cyclones plutôt que Scarlett. Et elle s'est faite arnaquer. Enfin, que Kinovation, pardon. Et elle s'est faite complètement arnaquer. Ouais. Voilà. Clairement. Elle a été complètement surprise, notre chère Scarlett. Et du coup, ce sont des BO5. Oui. Du coup, ce n'est pas terminé. Et vu qu'on a déjà fait un break avant, on va pas en refaire un. Oui, c'est ça, bien sûr. On va enchaîner. Voilà. Ah, on n'est pas. Voilà. Pas abusé. C'est ça, c'est pas TF1 ici. Oh lol. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur la game numéro 3. Oui, ce qui est ouf, en fait, c'est qu'elle n'a pas le droit de jouer. J'aurais bien aimé retrouver Scarlett des Nations Noires où elle arrivait toujours à embrouiller un peu le début de partie. Pas de manière ultra all-in comme la première game de cette série, mais elle embrouille un peu. Et après, dans les games scrappy, elle arrive à te sortir des trucs absolument géniaux. Non, je suis d'accord, mais. Ça se fait racler. Mais sur le concept, en fait. Est-ce que tu peux embrouiller Maru, tu vois, c'est ça la question. Enfin, des mecs qui ont essayé d'embrouiller Maru, il y en a eu beaucoup, hein. Et enfin, avec les rediffs du coup qu'on avait mis pendant Noël, on s'est souvenu par exemple de Maru contre Myung-sik sur des swings. C'était pas rigolo pour Myung-sik. Ici du coup la game numéro 3, dernière chance pour Scarlett de rester en vie dans ses WSG. En bas à gauche, bah du coup j'ai déjà dit son nom, c'est Scarlett pour la team expert. Apparemment, mon mug passe au travers du fond vert, du coup, il va falloir que je le sorte du champ tout à l'heure. Et moi à droite, un homme qui a réussi à faire pleurer un pro-gamer dans sa bosse. Maru. Ah bon? Quand il défonce Muntik, et Muntik, il pleure à la fin. Il est en larmes, il n'en peut plus de sa vie. Mais c'est ça l'un des trucs les plus... Enfin, génial. Enfin, c'est triste, hein, le pauvre, il sentait mal. Mais la game, elle était tellement humiliante que le mec, il était en larmes, quoi. Il était au fond du fond du fond. Après, est-ce que c'est vraiment grave que Myung-sik soit en larmes? Et là, je vais m'expliquer parce que. Mais t'es un enfoiré et tout. Alors, attendez. Flash et Myung-sik ont été dans la même équipe. La légende raconte que Flash a été en colère 3 fois depuis qu'il est pro-gamer et qu'il y en a 2 c'était à cause de Myung-sik. Donc, moi, un mec qui est en colère que 3 fois en 10 ans de carrière et il y en a 2 c'est à cause du même gars, je me dis que le gars, c'est pas un mec super sympa, tu vois. Et du coup, on a envie de savoir qui était la 3ème fois. La 3ème fois, c'est parce qu'il n'y avait plus sa sauce préférée au supermarché. Très bien, ok. Donc du coup, les pâtes étaient vachement moins bonnes. Ok. Voilà. Moi aussi, ça me mettrait en colère. Hein. C'est le mec vénère pour des pâtes, alors après, il est très susceptible quand même. Bah, ou alors, s'il s'est vénère que 3 fois dans sa vie, mais qu'il y en a une fois, c'est pour des pâtes, peut-être que ce jour-là, ça allait mal et tout, il a été quitté par sa copine, mais c'était la goutte d'eau. Peut-être qu'il s'est re-énervé après avoir été énervé par Muntik. Peut-être. Voilà. Mais voilà. Muntik, donc que voilà, il a ses petits build order de toute façon, ils le disent en interview. Moi, je suis là pour abuser des gens. Il est en GSL d'ailleurs cette saison. Donc c'est le premier, tu vois, à la fin de la KESPA, à avoir annoncé moi je me casse, fini Starcraft 2, go Overwatch. Un mois plus tard, il est revenu en train de trahir les tournois. Tant mieux. C'est ça. Bien sûr, on souhaite la même chose à Marine. Non, c'est pas. J'avoue. Non, mais bien sûr, on lui souhaite beaucoup de succès, hein, puisque il joue. Juste après peut-être le dernier match de sa carrière de Starcraft 2, puisque il jouera contre Stefano et les Nations Noires et les WESG étaient ses deux derniers tournois. Oui. Donc voilà, appelez vos copains, peut-être que c'est le dernier match de Marine Lord et peut-être que pour la dernière fois, tel voilà, un 14 juillet, il nous vendra un feu d'artifice de qualité.
C'est exactement ça. Partir en splendeur, en tout cas dans un tournoi où tu as des thunes, autant de thunes à te faire, ça serait assez énorme pour lui. Et pour nous, parce qu'on triperait forcément. Là, on est sur quoi? On repart sur un build avec usine, chambre d'évolution. Là, on est sur le mono-upgrade. Donc, en fait, Scarlett qui. Ouais, elle a vu le coca build, mais elle est dans le. Non, elle a vu l'usine. Et pour éviter de se faire réarnaquer, elle fait le fast, une amélioration de défense qui fait que tu défonces les cyclones quand ils t'arrivent sur le timing. Ouais, puisque les cyclones tapent extrêmement vite, mais avec très très peu de dégâts à chaque attaque. Donc un upgrade de défense est très très efficace contre les cyclones. Mm-hmm. Mais le fait est que contre un coca build, l'upgrade de défense n'est pas déconnant non plus, tu vois. Dire, contre des marines, qui sont aussi des unités qui tapent quand même relativement vite, bien qu'un petit peu plus fort que le cyclone. Bah, je sens pas d'avoir cet upgrade de défense. En fait, j'ai complètement débile. Non, il a fait un coca build. J'étais en train de dire, il a fait une usine juste après. Mais j'ai pas suivi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Non, non. Mais c'est pareil contre le coca build. Effectivement, comme tu dis, ça fonctionne très, 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 très bien. Cet opening. Et voilà. De toute façon, c'est les variantes. Hein. Soit tu fais face une upgrade, soit tu fais double upgrade un petit peu après. Mm-hmm. C'est les deux grandes façons de jouer. Ouais, ici le Reaper qui a été intercepté sans pouvoir scouter la chambre d'évolution, je crois. Hein. Donc pendant cela, on a les Zerglings de Scarlett qui agressent au niveau de la B2 et vont empêcher du coup la présence de Zerglings dessus. On a fait également un overlord de drop qui pourrait permettre de dropper directement une petite poignée de Zerglings directement dans la main de Maru, empêchant que Kabil de partir et permettant au plus un de défense de se terminer en temps et en heure. Parce que le temps que Maru nettoie ses 8 Zerglings, le plus en défense sera terminé et la défense de Scarlett en sera d'autant plus efficace. C'est ça, là, c'est assez énorme ce qu'il est en train de faire. Vraiment, elle met à mal la B2 de Maru. Mais en fait, si tu veux rentrer dans le détail, là, il manque 10 drones à Scarlett. Donc, les dommages qu'elle fait là doivent compenser. Enfin, ça doit compenser les 10 drones en fait, qu'elle n'a pas produit. Mm-hmm. Donc, là, tu vois, je commence à avoir un doute en fait. Quand tu regardes vraiment tous les chiffres dans le détail, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Elle gagne énormément de temps sur le timing team. Elle arrive à reprendre des civils. Non, ça m'a l'air quand même bien. Ça m'a l'air très, très, très solide. Ouais, c'est tout à fait sympathique hein, ce qu'elle est en train de produire. Et derrière, elle va chercher le Benlingness, le plus en défense, qui se termine effectivement. Alors que le plus en attaque est tout juste lancé du côté de Maru. Le steam se termine. C'est super. Mais tes medivacs ne sont pas du tout partis. On est à 5 minutes de jeu et vous connaissez hein, le timing du coca build. Vous savez qu'il est d'ailleurs déjà bien, bien en retard. Du coup, il va peut-être devoir compter sur la présence de son plus en attaque et des libérateurs supplémentaires pour pouvoir tenter de mettre pression au niveau de la B3. Ouais. Et elle a lancé tellement de drones, Scarlett. Elle est en train de se mettre trop, trop bien. Voilà, ce dont je parlais, c'est les petites embrouilles du début de partie. Et après, tu reviens sur une game normale, mais dans un scénario un tout petit peu différent de ce que l'on voit de coutume. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. Et dans toute cette arnaque, elle enchaîne aussi les améliorations. Donc même si tu parlais du plus 1 de Maru, elle a déjà le plus 1 de défense. Donc ce n'est qu'une égalisation de la part de Maru. Ouais. Et Scarlett prend toujours les devants. C'est on ça. A lancé ce petit plus 1 d'attaque. Donc vraiment stylé. Effectivement, tout à fait stylé. Oula, là, le push qui arrive, il est faiblard. Hein. Il y a quasiment pas de marine. Hein. Et il y a déjà 8 bending en formation. Pour moi, il faut juste éviter de se prendre des gros gros dégâts sur le Liberator et quand même gérer ses marines avec le reste des troupes. Mais si c'est fait correctement, on devrait très très bien s'en sortir ici pour Scarlett qui a un énorme lead économique hein, avec ses 53 workers. Mais elle n'a pas le droit d'en perdre trop. C'est ça, le Liberator qui est en train d'arriver sur le côté. Il va falloir les sauver. Attention, elle a hésité. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Finalement, voilà, on sauve l'économie. Et Maru, il va devoir sortir multitask de génie. Hein, parce que là, honnêtement. Ok, là il fait une bonne opération, mais il est dans la merde. Hein. Niveau écho, c'est pas bon. Il vient juste de lancer la B3, elle a réussi à caler tous ses drones Scarlett. Mais voilà, là il y a un libérateur qui a une base, donc c'est exactement ce dont Maru a besoin. Faut pas que Scarlett faiblisse maintenant, parce que là, elle a clairement la game en main. Elle a clairement la game en main, mais elle attend son plus en attaque et c'est compliqué d'engager. Et bien, avec ses bendings hors du creep, le bending speed n'est pas terminé. Et Maru a réussi à deny quand même pas mal de creep relativement tôt dans la partie, ce qui lui permet eh bien, de ne pas se prendre les boules d'acide directement dans la gueule. On va poser la macro-watch du côté de Scarlett pour pouvoir produire toujours plus de Zergling bending. Donc on est parti effectivement sur une forme de Zergling bending muta. Attention ici, les marines qui sont sauvées par Maru et les trois medivacs qui vont prendre la direction du sud, peut-être pour faire un directement crochet vers la droite pour aller récupérer la B1 qui est tout à fait à découvert, tandis que Scarlett pose le plus d'attaques. C'est ça, elle pose le plus d'attaques et elle va en direction de la B3. On lui a forcé, la production beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh là, attention, elle veut attaquer. Alors d'un côté, ça paraît un peu suicidaire parce que Maru est déjà chez lui, mais d'un autre. Si elle arrive à refaire un time maintenant, après avoir ralenti la B2, elle va complètement ralentir la pose de la B3. Et c'est peut-être sur ça qu'elle a envie de jouer. C'est ça. C'est encore une fois, c'est ultra malin. Bah surtout que. C'est bon. Oh là, ça a cliqué tellement fort, Maru. Les Bellings qui meurent, les uns après les autres. Il perd
Marcel Marine, il a tué la moitié des Benling. C'est pas possible. Oh mon dieu. Mais c'est pas possible. Oh le Benling Bus qui va plus ressembler à rien. Bon ça devrait passer quand même. Mais du coup il y a plus de Benling pour péter le bunker. Il y a pas de Benling pour entrer dans la ligne des minerais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais elle s'est fait massacrer. Non mais je croyais que Bjorn c'était le meilleur cliqueur de Benling de la planète. Mais en fait, non. Mais en fait non. En fait le problème c'est que Maru il a pas réussi à passer les écueils des GSL. Du coup on l'a pas vu à la BlizzCon. Mais le mec est sick as fuck. Là c'est le meilleur clic de Benling que j'ai jamais vu. Ah ouais. C'est encore au-delà de ce que Bjorn a fait à la BlizzCon. C'est bien plus rapide. C'était incroyable. Ah ouais, non mais là faut... On pourrait remontrer l'action. Ah, là faut absolument qu'on remonte l'action à la fin du match. C'était n'importe quoi. Il fait ça en plus longtemps. Il pick up les Marines avant même d'en perdre un seul. C'était scandaleux. Ah, c'était absolument scandaleux. Et du et coup... Il s'est fois, quoi. Et là, Scarlett, elle a perdu tous ses avantages. Je veux dire, elle s'est fait remonter au nombre d'échos. La troisième base est en train d'être prise. Les upgrades, il a le 2-2 qui est envoyé, elles sont deux d'attaque et en train de se terminer. Ok, mais du coup, elle va avoir un très très bref avantage sur les upgrades, quoi. Enfin, c'est... Là, c'est le truc, c'est la destruction mentale. À partir de cet instant, tu sais que t'as perdu le match, en fait. Peut-être 2-0 ou pas, quoi. Ouais. C'est genre, le mec est juste beaucoup trop fou. C'est ça. Même si tu finis par gagner cette game-là, tu sais que tu arriveras pas à lui reprendre deux autres games dans la foulée. Là, un libérateur qui massacre tout, toujours pas de sport dans les bases. La B4 qui se fait deny par du full Marine contre Zergling Bending sur du creep. Please, Maru. Non mais ah merde. Ok. Bon, par contre, Scarlett est toujours bien dans cette game. Hein. En termes de map control, elle est très très présente. Elle ralentit toujours la pose de cette base. Oh oh oh, on est en train de shifter les dépôts de ravitaillement. Eh, ah c'est plus facile hein, de shift. Eh, oh, il vient de sa main. Oh mon dieu, c'est quoi ce Starcraft de fou? Il a toutes les veines encore. Ouais. Oh là là! Oh là là! D'un côté, t'as Scarlett qui chiffre des dépôts de ravitaillement pendant que l'autre il chiffre des Benning, quoi. Ouais, non, c'est pas le même jeu, quoi. Ah non, non, bah ils sont pas dans la même ligue, hein, tout simplement. Là, ça paraît assez évident. Maru qui massacre, quoi. Et Maru là qui est en train de terminer son 2-2 et qui a. Il a été tué. Là, c'est deux pop équivalentes, mais avec des degrés qui vont être bien supérieurs pendant une bonne minute et demie pour Maru. Et il n'y a pas une tech de ouf pour Scarlett d'autre part. Il n'y a même pas de Spire. Donc là, Libérateur, à chaque fois qu'ils reviennent, ils massacrent des drones, Et elle peut faire que des Zerglings et des Mutas. Et des Zerglings et des Benlings, pardon, qui n'ont pas de creep sur lequel aller. Donc c'est la PLS. Oh, mais là, je suis juste choqué, quoi. Non, mais. C'est ça. Donc Maru qui était planqué parce que encore dans une team Kespa, on ne l'a pas vu jouer pendant longtemps, on ne savait pas ce que c'était. Il a fait un 2016 pas terrible. Ah oui, l'entame de 2017. Ok. C'est la violence. Là, on est lourd. Hein. Allez, par contre, là, il n'y a pas assez de marines pour cliquer tous ces Benlings. Voilà, les Benlings qui vont voir se déverser les Arlings qui arrivent peut-être à choper le surround. Mais non, les Medivacs qui vont pick up. Ils sont chopés beaucoup de VCS. Ouais. C'est pas mal, mais est-ce que c'est suffisant? Ça ne met Maru qu'à égalité de VCS. Et il a toujours ses mules. Ouais, c'est ça, il a toujours ses mules. Il a toujours de l'avance niveau upgrade. Et... on est dans la base principale. On va reprendre des drones à Scarlett qui. En fait, Scarlett, elle fait tous les bons calls. Mais Maru est tellement divin dans cette série que juste ça ne fonctionne pas. Et là, on vient de perdre le pool. C'est... Par contre, le CC est tombé. Ok. Si tu perds ta pool, mais quand les gens, tu prends un CC. C'est kiff, tu vois. Mais le truc, c'est qu'elle a reperdu cette drone. J'allais dire, avec ton pool, tu produis des Zerglings. Avec ton CC, tu produis pas des Marines. C'est vrai, vu comme ça. Regarde l'onglet de prod de Scarlett. Non, mais tu peux faire des queens par contre avec tes couveuses, tu vois. Bah non. Et ça, c'est pas, fort. T'as besoin du pool. Ah merde, c'est vrai. Lol. C'est juste qu'il était dans l'onglet. C'est vrai. Donc tu fais des bending. Bon, bah ouais. On peut rien faire. Enfin, à part des bending. Ouais, c'est la tristesse. C'est. Tu peux reposer une hatch. C'est un peu le seul truc ou des overs, tu peux faire. Des overs suicides à l'attaque. Pour éliminer là. Ça Ouais. Non, mais là, ça me paraît être quand même la conclusion de ce match. Scarlett qui se sera battu jusqu'au bout pour tenter de remonter ça, et là qui va choper beaucoup de VCS, ce qui peut être un facteur contribuant, mais comme tu l'as dit, elle a rien produit pendant super longtemps. Là, ouais. Elle fait des bending supplémentaires. Ah, il y a beaucoup. Le petit splutuel. Voilà. Beaucoup, mais pas assez. C'est ça. On a un peu justement le fameux slack on the splits de Maru. Tranquille. On y va sereinement du côté de Maru. On va chercher le reste de l'économie, la B3, des Zerglings qui sont en train de revenir en urgence. Mais cette couveuse est déjà condamnée contre des Marines qui ont le 2-2. Quoique, on va préférer la jouer sécure du côté de Maru. Mais en fait, c'est vrai qu'en ayant glandé sur son split, il s'est foutu dans la merde. Hein. Non, mais ça part. Enfin. Non, ça reste pas la game parce qu'elle est. Il y a le 3 d'attaque qui se termine, quoi. Mais ça ne fait qu'une upgrade, c'est pas le 3-3.
Ouais, et là, il avait dit, il n'a pas de spire, comme tu disais. Mais il y avait 50 de pop d'avance, et là, c'est revenu quasiment à égalité. Sur un vieux, j'ai la flemme de splitter. Sur un bon, mais c'est bon, j'ai déjà gagné, tu vas pas faire chier. Ah. Ouais, c'est ça. Non, mais après, c'est clair que là, les joueurs se battent hein, pour. C'est le top 8 qui commence à gagner de l'argent. C'est ça. Ils se battent pour pouvoir gagner de l'argent sur leur tournoi. Donc clairement, ils n'ont pas envie de lâcher l'affaire. Merci pour votre taf, les gars. Continuez comme ça. Et bien, merci à toi, Daddy Zeratul. Continue comme ça aussi. Ouais. Les Marines qui vont être une nouvelle fois sauvées du coup par Maro qui s'est. Qui arrête de slacker sur la micro et qui récupère 9 drones supplémentaires sur un libérateur là. Ce libérateur qui a 21 kills et ça c'est quasiment que des kills de drones. Donc c'est la merde. Hein. Enfin ouais c'est cool que Maru ait un peu raté sa micro mais bon au final si tu te fais chier dessus. T'as envie de dire t'aurais pas pu payer un sport plus le temps. GG. GG. Bon. Rock. Faut que tu nous remettes le moment. Tu sais où c'était? Ouais. Ok, parfait. Ah, oh, il est trop chaud. Trop chaud. Je veux revoir. On va revoir du coup le clic ultra rapide hein, des bending ouais. De la part de Maru. Ça risque d'être. Préparez-vous, hein, ça va aller très très vite. Un homme qui fait ça, normalement, il fait une session, tu vois. Il fait une session de shift click et il back. Et déjà, c'est impressionnant. Lui, il, le fait, il en fait deux en fait. Il en fait une, il se fait complètement bloquer, il recule un peu. Non, c'était beaucoup plus tôt. Au moment où il se fait coincer devant sa base. Genre. C'était pas plus tard, justement. Alors, attends, là, c'était le cocabine. Non, ça, c'était la fin. Non, là, c'était les trois medivacs. Il repart vers le sud et il revient vers sa base. Ça doit être genre 20 secondes plus tard. Je crois que c'est ça. On va retrouver le moment. Ouais, on va retrouver, clairement. Puisque c'était assez sick. Et du coup. Il faut le savoir, commencez à en parler dès maintenant, hein, si vous le souhaitez à vos copains sur Facebook ou sur Twitter. Juste après ça, ça sera Stefano contre Marine Nord. Un seul de ces deux joueurs passera au round suivant et il ira affronter TY. Du coup, Stefano, en tant que représentant tunisien, mais bien sûr, français. Le segment est sur Twitter. Est-ce que tu peux accéder Ok, trop chaud. Nickel. Trop chaud. La tweetance. La tweetance, bien sûr. Bah, allez, même hashtag OGSC2. Voilà. N'oubliez pas. Hein. Hashtag OGSC2 et @OGamingSC2. Voilà, c'est le compte que vous devez suivre si vous voulez être au courant de toutes les actualités OGaming, StarCraft, tout simplement. Si vous aussi vous êtes en passion. Si vous aussi vous mettez bien, voilà, comme Pompe fait son poulet. Voilà. D'ailleurs, il lui a fait un sort au poulet. Il est arrivé, tu vois, il avait une sorte de sachet. Je veux dire, il a, tu sais, genre, il a acheté un croissant, un truc comme ça, tu sais, à la pâtisserie. Ah non, il a du sachet en papier, un gros c'est poulet ça. Qui est sorti. Et avec les petites pantates au fond. À la base, c'était un bon poulet, tu vois. Là, il reste pas grand chose dessus. Hein, tu sens que c'est le poulet du samedi après un vendredi soir haut en couleur. on s'en sort du. Ah, il est là. Il est là, je te vois sur cet écran, il est prêt. Solide. Il est prêt. Bah, dès qu'on l'a, on transitionne. Ouais. Ah et là. Ah regardez bien. Ah là, bam. Ah et encore, il y a manqué un tout petit bout au début, je crois. Ouais, sur le moment où était fait le flip. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Nawak. Oh là là. Et puis là, les cocons de Benling qui sont attrapés en plus. Donc c'est vraiment. Mais je pense que ça a été clippé, tu vois, un petit peu trop tard. Ouais, il manquait l'entame. Ok. Ah là là. Oh là là. En tous les cas, on va faire un très rapide break avant d'enchaîner sur le deuxième BO5. Nerd Show Time. Non, Nerd Show Nib.